Un hackathon multimodal sur l'intelligence artificielle, c'est ce qui a été organisé par le Centre Innovation POC, une association basée à Epitech, et l'école a mis à disposition ses locaux pendant 2 jours. Donc ils sont tous différents, différents backgrounds, différentes expériences, et donc on est sûr que en se mélangeant comme ça, en faisant des équipes de 3 personnes, les gens vont non seulement apprendre via le projet qu'ils vont créer pendant ce week-end, mais également découvrir pourquoi pas des futurs partenaires sur des projets, pourquoi pas monter leur entreprise et juste acquérir de plus en plus de connaissances. L'association est présente lors de cet hackathon pour aider les étudiants à avancer sur leurs projets. Et pour la première fois, Tom participe à un hackathon. Pour moi, c'est quand même une grande opportunité, je pense, qu'on nous offre de nous rencontrer un petit peu tous dans ce milieu et d'apprendre un petit peu tous ensemble des uns des autres. C'est une première vraie expérience sur le domaine de l'IA, de la vraie IA, avec des gens compétents qui ont eux déjà fait. Ou je ne sais pas si je pourrais apporter beaucoup de connaissances, mais en tout cas, je sais que je pourrais en gagner beaucoup. Une vingtaine d'étudiants s'affrontent. Ils sont issus de différentes écoles, dont Epitech, Centrale Supélec et du Master MVA de l'ENS Paris-Saclay. À la clé, une récompense de 1 000 euros grâce au partenariat avec Station F et Entrepreneur First, cette entreprise au modèle unique investit dans les talents plutôt que dans les entreprises. Et EF a un programme dédié à la sortie d'école. Pour nous, c'est une opportunité et c'est également la façon de garder un peu de la fraîcheur chez IF et de rester un peu aux actualités de tout ce qui se passe dans les écoles, des communautés qui se créent, parce qu'on aime beaucoup du coup rencontrer des gens, des talents, et grâce à ce genre de connexion, on peut étendre notre réseau. L'association POC organise jusqu'à 150 événements par an sur différents thèmes, comme l'IA, la cybersécurité, la blockchain ou encore le software. Allant d'un hackathon comme celui-ci à des talks, des workshops ou encore des piscines, autant d'activités ayant pour but de partager des connaissances, de pousser l'innovation chez les étudiants et découvrir de futures pépites de la tech.